fin, on regarde un peu avec attention le scénario de départ, parce qu'il y a un petit centre dépressionnaire qui vient jouer avec nous là. Donc, bah, en tout cas, on a de la chance d'aller en mer déjà, ça c'est bien. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai déjà fait la mini transat, c'était ma première grosse aventure. À 18 ans en fait, et après je me suis lancée dans le Figaro pour objectif Vendée Globe 2024. Donc le Figaro c'est la meilleure préparation possible, et puis cette transat en boule ça va être je pense une belle aventure. Bravo. C'est quand même un challenge parce que c'est la première transat du bateau, et c'est aussi un challenge parce que il y a un niveau très élevé dans cette classe. Bon courage, merci. Et à bientôt. Est-ce que vous avez un pronostic? Parce qu'apparemment Francis Le Goff, le directeur de course, n'était pas sûr que le record serait battu. Est-ce que vous, qui connaissez le mieux le bateau, vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que le record sera battu? Non, mais si on regarde les historiques un peu probabilistes et tout ça, c'est entre 16 et 22 jours. On demandait aux skippers de Bretagne CMB combien ils ont embarqué de jours de nourriture à bord. Il peut toujours y avoir un peu d'intox là-dessus. Vous avez prévu combien de jours en mer? Un jour de moins qu'eux. Très bonne réponse. C'est pas mal.